Eh bien bonjour à tous, on va faire un petit tour de la serre et en même temps je vais vous montrer des petites photos. Pour commencer, il y a les laitues, feuilles de chêne qui vont pas tarder à fleurir. Là les sucrines, on a presque tout mangé. Les carottes. Là on voit qu'elles poussent bien. J'espère que le tutoriel vous avez à peu près compris. C'est vrai que j'ai été assez vite. Pour le semis des carottes, vous pouvez le revoir sur ma chaîne YouTube. Là, elles sont pas mal réussies. Ça avait été semé sous la serre, je sais plus la date. Après, les tomates. Les trois pieds précoces, comme je vous avais dit. Ça y est, il est parti. Là, j'ai fait une installation pour pas qu'il touche la bâche. Je vais essayer de faire encore un bouquet, là. J'ai fait le premier traitement. Parce que j'ai commencé à avoir une tache de mildiou sur celle-ci, là. Alors, pour vous rappeler un petit peu celle-là, là. On croirait pas, mais c'était les fameuses rescapées, comme on dit. Elles sont pas vilaines quand même. Comme quoi, faut jamais jeter les plants. Alors je savais plus. Justement, je les avais mis en nourrice par rapport aux autres. Elles avaient été semées en même temps que celle-là, mais elles étaient toutes petites. Alors dans le coup, la surprise, c'était une Roma et deux Saint-Pierre, ouais. C'est deux Saint-Pierre. Vous voyez déjà, c'est assez impressionnant comme quoi des petits plants peuvent pousser si on s'en donne les moyens. Maman les a chouchoutés. Et maintenant ça va faire des belles tomates. Ça aurait été dommage de les jeter. Ça vous pourrez revoir sur la vidéo rempotage normalement les trois petits plants. Après des nouvelles des trois plants quand même. Là ils sont cachés dans la jungle de Salane. Là c'est une marmande. Ça pousse bien. Bon, la terre est moins bonne que de l'autre côté. Parce que je ne l'ai pas enrichi celle-là. Là, le troisième pied, c'est une Saint-Pierre. Là, j'ai fait du cuivre avec du mancozeb. C'est le premier traitement. Après, trois courgettes qu'on a fait tardivement. Si des fois il y avait à remplacer. Là, vous voyez, il y a une brûlure. C'est la bactériose. J'aurais jamais cru que ça aurait venu sur les plants de la serre. Ça arrive souvent au mois de fin août. J'étais obligé de faire du soufre avec du mancozeb pour enrayer l'anthracnose et le feu bactérien. Si ça crame toutes les feuilles en une semaine, vous n'avez plus rien. Je pense que c'est surtout dû aux excès d'eau. Après, des petites tomates. Eh oui, on va bien voir ce que ça donne. Maman a voulu en faire. On verra bien si on en mange au mois de décembre. Je vous ferai un petit suivi de tout ça. Maintenant, place aux photos. À bientôt.